14 dons gratuits de Dieu et 14 formes humaines de vol. L'Évangile de Christ. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. La grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 12. La libération. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 11. La justice. Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 10. La vie éternelle. Pour fin la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 9. Le Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 8. La repentance. Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. 7. Le mariage et le célibat. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Qu'il se marie, car il vaut mieux se marier. 6. La sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, et elle lui sera donnée. 5. Les dons de l'Esprit. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. 4. Le pouvoir sur le mal. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 3. Nos besoins quotidiens. Mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 2. Un esprit de force. Ranime la flamme du don de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1. Une vie future. À celui qui a soif,
Je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie.